Les amis, comment allez-vous? Bah écoutez, moi en tout cas je vais très bien et c'est avec grand plaisir aujourd'hui qu'on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est la troisième vidéo du festival des jeux de gestion de Steam. Et les amis, aujourd'hui j'ai le grand plaisir de vous retrouver sur la démo de Clanfolk. Alors c'est un jeu qui est déjà en ligne, qui est déjà sorti, il est sorti le 14 juillet 2022, donc il reste quand même assez récent. Et je me suis dit que voilà, encore une fois, c'est un jeu que j'ai pas du tout eu l'occasion de voir auparavant, j'ai pas du tout l'occasion de me spoil, et je me suis dit que j'allais le découvrir à 100% avec vous. En tout cas, du peu que je sais, c'est un jeu qui ressemble à RimWorld, pour les personnes qui ont joué, c'est un jeu de gestion un peu sur le dessus, un peu comme dans le style de Prison Architect, tout simplement. Et en fait, on gère un clan qu'on va devoir faire progresser, tout simplement prospérer. Donc sans plus tarder, on y va, nouvelle partie. On peut choisir les options du monde, donc le nombre de lacs, de tourbières, okay, de montagnes, de forêts, de plaines, de faune. On peut également générer un seed. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est tout simplement... Ah d'accord, faut peut-être que je choisisse en fait. Ouais, j'ai 3 points attribués. Peut-être plus des plaines, une forêt, ça peut être intéressant également. Et soit de la faune, soit des lacs. On va prendre le lac. Voilà, on va dire que si jamais il faut prendre de l'eau, on aura de l'eau. Créer le monde, c'est parti. Et donc, on est dans le chargement Terraformation du jeu. Donc, c'est en français déjà, c'est un très bon point. C'est un très très bon point. Après, quand je dis, pour le coup, c'est vraiment une démo. Le jeu est déjà en ligne, donc le jeu est déjà prêt. Il est en early access par contre, donc il continue en développement et continue d'évoluer. Et donc. Ok, alors j'ai joué un petit peu à RimWorld, je dois avoir peut-être 20-30 heures de jeu, d'ailleurs c'est un jeu qu'il faut vraiment que je relance un jour, parce que c'est le genre de jeu, je me suis dit ok j'arrête parce que j'ai pas trop le temps à lui accorder, j'ai beaucoup de jeux à tester, mais j'aimerais bien un jour pouvoir y retourner et passer beaucoup de temps dessus, tout comme Project Zomboid notamment, mais en tout cas ça ressemble à première vue à l'interface qu'on a du coup de RimWorld, chercher le nom voilà, de RimWorld. Donc la carte est déjà faite visiblement, on peut créer un clan. Ok, un nouveau départ. D'accord, en fait, on peut choisir le mode de jeu, un peu le mode de début de jeu. Alors, un nouveau départ. Un grand clan part s'établir sur de nouvelles terres pour y bâtir son foyer. C'est le mode qui est recommandé. Très bien. Berger, une famille se lance dans l'élevage et dispose d'un petit troupeau de moutons. Difficile. Oula, ça va peut-être éviter pour le moment. Orphelin, ils ont perdu leurs parents et tout ce qui leur reste et un peu d'argent. Les quelques poulets qu'ils pouvaient transporter et leur fraternité. Très difficile. Bon, encore plus évité, je pense, pour le coup. Et encore en très difficile, ermite, elle n'a que ses chats et son esprit aventurier pour faire face aux défis de la nature. Et on peut personnaliser du coup notre clan en concevant l'arbre généalogique très bien à partir d'une page vierge. Bah écoutez, on part sur le nouveau départ, c'est ce qui est recommandé, donc je pense que pour le coup, ça devrait être pas mal. Ok, très belle interface, en tout cas, moi, ce que je vais faire, ça va être de changer mon blason. On va le faire vite fait, hein, pas entendre le détail. Bon, vous savez, j'aime bien jouer à un jeu dans lequel tu peux personnaliser à 100% ce que tu fais, mais c'est pas forcément ce que moi je fais quand je joue. J'aime bien lancer directement. Et après, si le jeu me plaît, là je relance. Et là, pour le coup, je change tout à 100%. Donc, je peux ajouter un bébé, ça coûte 250, soit garçon, soit fille. Où c'est que je vois mon argent? Ah, c'est ici, d'accord, je suis à 20. Je peux acheter des animaux également. Ok. Et pour le coup, je pense que ça, c'est les gens avec qui je démarre au début. Alors, je sais pas ce que c'est la barre ici. C'est l'âge, peut-être. C'est la barre de l'âge, je pense. Adulte, évolution de base, 1 seconde. Optimiste, il est métabolisme lent, donc il consomme moins de nourriture. Vitesse déplacement, moins 10%. Métabolisme lent, donc je suppose que c'est pareil. Bourreau du travail, plus 1000 en travail. À voir ce que ça donne concrètement. Et en termes d'enfants, ah, je suis bête, en fait, c'est l'arbre généalogique, je viens de comprendre à l'instant pourquoi ça parle d'arbre généalogique. En fait, c'est l'arbre généalogique, donc ça, c'est les grands-parents, ça, c'est les parents, et ça, du coup, c'est les enfants. Avec Euphan, qui a peur du noir, bah, en fait, ils ont tous peur du noir, très bien. Et du coup, ils ont des aptitudes à gauche que j'avais pas vues en artisanat, en construction également. Bon, on va laisser comme ça, j'ai envie de dire, on va laisser comme ça. On active le tutoriel et on démarre le clan. Let's go! Bienvenue sur Clanfolk. La survie des villageois dépend d'une préparation prudente et appropriée. Ce rapide tutoriel vous aidera à améliorer leurs chances. Très bien, cliquez sur l'alerte qui est juste là. Alors déjà, comment je me déplace? D'accord. Donc c'est un WASD, donc je pense que je vais avec les flèches du clavier. Ça fera largement l'affaire. Je suppose qu'on peut le changer dans le menu. Pour le coup, j'ai lancé direct, donc je n'ai pas cherché à comprendre. En tout cas, graphiquement... Je trouve ça plus joli que RimWorld, à première vue. Après, encore une fois, moi, quand je joue à des jeux de gestion, c'est pas pour jouer à des jeux jolis. J'arrive à me séparer, à me dédouaner, en quelque sorte, de la beauté du jeu, tant que le jeu a des bonnes mécaniques et est intéressant à jouer. Alors, lancez le tutoriel. Maintenez clic droit pour déplacer la caméra. Très bien, donc il n'y a même pas besoin en fait, de jouer avec les touches du clavier. Je le ferai quand même pour l'optimisation, mais t'es pas obligé. Cliquez sur l'icône de cette villageoise pour la sélectionner. Mathieu. Du coup, c'est un petit jeune homme. Enfin, un vieux jeune homme, du coup. Cliquez à nouveau pour centrer la caméra dessus. Ok.
Et vous pouvez contrôler ce que vos villageois feront en premier en réglant la priorité de leurs compétences. Les villageois portent un intérêt particulier pour certaines tâches et pas pour d'autres. Jusqu'à maintenant, c'est le même fonctionnement du coup que les jeux de gestion, notamment comme RimWorld. Je vais beaucoup comparer, moi, parce que vraiment, sur l'image en tout cas que j'en ai vu, tout simplement, les vidéos que j'en ai vues, ça me semblait vraiment ressembler à RimWorld. Et je me dis que s'il y a moyen de faire en sorte que le jeu soit tout aussi complet en le rendant un peu plus beau et en simplifiant son fonctionnement, bah c'est pépite parce que RimWorld c'est le genre de jeu qui n'est pas accessible à tous. Clairement, c'est pas très compliqué quand tu lances le jeu et vraiment t'y joues, mais il te faut minimum une heure, deux heures pour vraiment te lancer, quoi. Donc là, on peut voir d'ailleurs que tous les niveaux de ces compétences sont directement ici. 4 en cuisine, 4 en agriculture, c'est assez simple à voir, c'est cool. Hein. Donc je sélectionne la collecte. Augmenter la priorité de la compétence collecte au maximum. Cette compétence sert à collecter des ressources de base sans outils, baies, branches et pierres. Ok, j'augmente. Ah d'accord, en fait, donc c'est comme ça, très bien. Donc en fait, c'est sa compétence la plus haute, ça va être du coup la collecte, ok. Donc en fait, c'est-à-dire que dans un premier temps, il va faire la collecte. Ensuite, s'il n'a pas de collecte, il fera la médecine. S'il n'a pas de médecine, il fera l'artisanat. S'il n'a pas d'artisanat, il fera la foresterie, etc. Ce villageois est désormais assigné à la collecte avant toute autre chose. Vous devez régler la priorité des compétences, désigner des tâches à effectuer et construire des structures et objets pour que ce villageois puisse subvenir à ses besoins. Parfois, vous aurez peut-être besoin de forcer vos villageois à travailler. Cela réduira leur humeur, mais ça pourrait aussi leur sauver la vie. Cliquez sur le mode de travail. D'accord, travaux forcés, ok. Ce villageois est désormais en mode travaux forcés. Il travaillera jusqu'à épuisement et son humeur se détériorera pendant des heures supplémentaires. Une mauvaise humeur est synonyme de travail et d'apprentissage plus lent. Ok. Donc très intéressant. C'est vrai que on pouvait également le faire sur d'autres jeux de gestion, notamment encore une fois RimWorld. Je vais arrêter de comparer à RimWorld. Mais j'ai pas le souvenir que ça impactait leur morale. Très bien. Ce villageois est en mode temps libre. Il ne travaillera pas, mais son humeur s'améliorera et pourra faire une sieste pour récupérer un peu de sommeil. Et si je clique dessus, je repasse en travail normal. Presque tout élément dispose d'un bouton de verrouillage. Lorsqu'ils sont verrouillés, les villageois, meubles, structures ou objets s'arrêteront et seront ignorés. Lorsqu'ils sont verrouillés... D'accord, ok. Donc ils s'arrêtent, donc je peux verrouiller ou le déverrouiller. Forcera à choisir une nouvelle tâche quand il sera déverrouillé. Cliquez sur le bouton de verrouillage. Et il est désormais prêt à travailler. Les villageois choisissent leur prochaine tâche en fonction des priorités, comme on l'a vu juste au-dessus. Les compétences aux priorités plus élevées et les tâches aux priorités plus élevées sont choisies en premier. Les villageois choisissent leurs tâches en fonction de leurs compétences, puis de leurs tâches. Donc c'est d'abord les tâches, au niveau des compétences, et ensuite de leurs tâches. Ce qui fait que si jamais... en fait ça dépend de la priorité stricte. Ok, donc si j'active pas la priorité stricte, c'est d'abord les compétences, et ensuite c'est ce que moi j'attribue, en termes du coup d'ordre au niveau des tâches. Par contre, si j'active la priorité stricte, parce que du coup je ne l'active pas plutôt, c'est un mélange des deux. Donc c'est-à-dire que si je le mets tout en haut collecte mais qu'il a 0 en collecte, alors qu'il a genre 2, la médecine est genre en deuxième puis il a 2 en niveau de médecine, dans ce cas-là il fera d'abord la médecine. Ok. Donc je vais l'activer. Toutes les tâches de compétences au niveau de priorité les plus élevées seront effectuées, voilà c'est ça, avant les tâches des compétences aux priorités moins élevées. Au sein de chaque compétence, les tâches seront effectuées dans l'ordre en fonction de leur niveau de priorité. Avoir de nombreuses tâches appartenant à une compétence ayant une priorité élevée empêchera les tâches de compétence ayant un niveau de priorité moins élevé d'être effectuées. Bon, je sais pas si vous comprenez bien le truc, je lis très vite. Je lis ce que moi je comprenne, je lis pas forcément pour qu'on me comprenne. Mais en tout cas, c'est un fonctionnement tout à fait logique pour le moment. L'ordre des tâches est maintenant calculé par une combinaison des priorités de compétences et de tâches, c'est ça. Ok, donc je vais pas relire, on avait capté. Commençons par placer quelques zones basiques dont les villageois se serviront pour subvenir à leurs besoins. Tout d'abord, désignons une zone de buisson. Ok, je clique dessus. Cliquez sur le menu meuble. C'est boisson, j'ai du buisson. Mais non, c'est boisson, je me disais bien pourquoi une zone de buisson. Alors du coup, c'est une zone de boisson. Désigne une zone où s'abreuver. On peut causer des maux de ventre, forcément. Mais écoutez, on va prendre un emplacement libre, genre celui-ci. Cliquez sur la zone de lavage. Permet aux villageois de restaurer leur hygiène, travailler et surtout aller aux toilettes, réduit l'hygiène. Je suis ici à un emplacement libre sur le lac pour placer la zone de lavage. Le problème c'est que si ils boivent là où ils se lavent, pas sûr que ce soit très optimisé. Je vais peut-être le mettre un peu plus loin, ça pourrait être sympa de le mettre... je peux pas aller très très loin non plus. Hein. On va mettre là. Voilà. Cliquez sur la zone de repos. Vous pouvez faire pivoter certains meubles avec la molette. Ok, donc en appuyant sur la molette, ou R... Essayez de faire pivoter la zone de repos et choisir ça dans le placement libre sur le sol pour placer la zone de repos. On va se mettre comme ça peut être sympa.
Et désormais, vos villageois peuvent subvenir à leurs besoins en eau, en hygiène et en sommeil. Le tab suivant consistera à collecter de la nourriture. Faites un clic droit pour fermer le menu. Vous devrez assigner des tâches aux villageois pour qu'ils collectent des ressources de base. Dessiner des baies à cueillir. Hop, cliquez sur le menu tâches. Cueillir les baies. Placer 5 tâches, cueillir des baies. Donc je peux sélectionner plusieurs zones. Ce qu'on va faire, c'est tout simplement ramasser tout ce qu'il y a ici. On ferme le menu. La barre d'espace est activée, vous activez le menu pause. Attendez que les villageois aient fini de cueillir les baies. Alors en tout cas, j'aime vraiment bien le style graphique. C'est très mignon, c'est très beau. Tout comme Aloft d'ailleurs, je sors d'une vidéo sur Aloft. Et c'est pas le même style de graphisme, mais en tout cas, c'est toujours aussi mignon. C'est assez stylé. Et c'est plus complet en termes de graphisme et d'animation que RimWorld. Même si, encore une fois, le but, c'est pas de comparer les graphismes de ces deux jeux qui ont des mécanismes très poussés. Vous pouvez assigner des tâches pendant la pause pour gagner du temps. Appuyez pour mettre en pause. Cueillir ces baies a débloqué le dépôt de nourriture. Les dépôts servent à rassembler des ressources. Très bien. Cliquez sur le dépôt de nourriture. Et dessinez un petit rectangle de sélection dans une zone dégradée. Dégager. J'invente des mots, mais décidément, moi, j'invente des mots aujourd'hui. Dégager pour placer un dépôt de nourriture de 4 cases. Hop, voilà. Faites un clic droit pour faire le menu et cliquez sur le dépôt de nourriture. Et normalement, c'est ici que je vais pouvoir déjà mettre la priorité et choisir du coup ce que je vais pouvoir stocker dedans. Les tâches au niveau de priorité les plus élevées sont effectuées. Donc ça, on le sait. Donc, je le mets à 10. Et désormais, les villageois choisiront ce dépôt de nourriture avant les autres, quelle que soit la distance. Donc je peux réinitialiser tous les niveaux de priorité de dépôt. Et je peux choisir du coup les ressources qui seront dedans. Ok, bon, on ferme le menu. Et le dépôt de nourriture est prêt. Les villageois le rempliront en utilisant leur compétence transport. Et si je clique dessus, la compétence transport elle est où? La compétence transport elle est où? Ok. On n'a pas encore expliqué. Bah non, je suis con, je suppose que c'est ici en fait. Réparation, ouais, transport c'est ça. Donc lui typiquement... C'est pas sa priorité numéro 1, mais vu qu'il a un niveau intéressant, si je mets ou non, voilà, c'est ça. Si je désactive, donc c'est ce qui est déjà fait actuellement en priorité stricte, ça va faire une combinaison, ça va combiner en fait son niveau de compétence et la priorité pour tout simplement faire le transport. Donc en réalité, il va pas se prendre la tête, il va le faire. Autant il a envie de faire caca, lui. Eva, voyons. Quel âge a Eva, d'ailleurs? Ça est drôlement, drôlement jeune. Est-ce qu'on voit l'âge, temps libre en tâche actuelle, là où j'ai mes ressources? Non, je vois pas l'âge, peut-être que c'est un truc en particulier. Ok, alors on ferme le menu. Le dépôt il est prêt, on reprend la partie et normalement ils vont positionner les baies dans la petite zone. On va aller voir. C'est quoi ça? Champignons séchés, ils se conservent bien plus longtemps, très bien. Et je crois qu'il y avait désactivé... Non, j'ai pas désactivé les baies, ok. Il ramène les baies, du coup, automatiquement. Ok, ok. Je vais mettre le jeu en vitesse x3. Même x4. Et ben en fait, c'est bon, ça l'a fait automatiquement. Les dépôts peuvent être agrandis tout en maintenant leurs paramètres individuels. Cliquez sur le menu dépôt. Dépôt de nourriture. Et dessinez un rectangle de sélection vers l'extérieur du dépôt pour l'agrandir à 6 cases. Hop. Ah ok, faut que je sélectionne quand même la zone de base, ok. Les villageois auront besoin d'outils pour récupérer des ressources avancées. Collecter des pierres et des branches pour débloquer la zone d'artisanat. Donc on peut ramasser des pierres. Hop. Dessiner un rectangle de sélection autour de quelques pierres pour placer deux tâches. D'accord, les pierres sont ici en fait. C'est vraiment beau graphiquement. J'aime bien. Et l'animation aussi est stylée, les petits bruits et tout. Attendez que les villageois collectent des pierres. Ils vont les ramasser, ceux qui vont pas pouvoir les déposer. Ah si, je suis bête, on a une zone de dépôt qui est juste... Bah non, on n'a pas de zone de dépôt du coup. Bah ouais, on n'a pas de zone de dépôt en fait, qui regroupe les pierres à un même endroit. Collecter les branches, donc le même fonctionnement. Autour de quelques arbres, donc on va les mettre là. Attendez que les villageois collectent des branches, on va booster la vitesse. Et récolter des pierres et des branches a débloqué la zone d'artisanat. La zone d'artisanat permet de combiner des ressources pour confectionner des outils et autres objets. Ok. Cliquez sur la zone d'artisanat. Et on va le placer sur une zone dégagée. Donc on va le mettre, par exemple, ici. On fait un clic droit. Et on attend que la zone soit terminée. Alors, j'ai beaucoup comparé à RimWorld au début de la vidéo. Je pense qu'à mon avis, c'était pas forcément à juste titre. Parce que pour le coup, c'est complètement différent de RimWorld. Du moins, c'est pas comme ça. Bon, frère, ça fait un an que j'ai pas joué aussi. C'est peut-être pour ça que je m'en rappelle plus.
Après, c'est peut-être pour ça. Mais en tout cas, c'est pas comme ça que je me rappelle de Rimworld. Je pense que c'est vraiment... c'est sûr de base que c'est un jeu qui n'est pas copié de Rimworld. Il n'y a aucun intérêt. C'est un jeu qui est en plus plutôt bien noté, il me semble, sur Steam. Donc je pense que ça aurait été dégrillé par les joueurs. Mais en tout cas, j'aime bien. J'aime bien les variations de mécanismes. Ça reprend le principe de base, mais ça modifie, ça rajoute ses propres mécanismes. Un peu comme, même si c'est deux styles de jeu complètement différents, j'ai plus le nom en tête, c'est Civilization et... et un autre jeu que j'ai plus le nom en tête qui était sorti, qui était un peu le même principe aussi, qui reprenait le fonctionnement de base et qui rajoutait des mécaniques. Donc voilà. Voilà, voilà. Attendez que l'artisanat soit terminé. Donc on booste en vitesse x2. Cliquez sur la zone d'artisanat qui vient d'être construite. Ok. Et la faux en pierre sert à faucher les autres herbes et les roseaux. Cliquez pour fabriquer une faux en pierre. Et là on peut voir que du coup il faut 5 de branches, 5 de pierre. Ça va prendre 30 en unité de temps. Et ça va créer une faux. Collecter des pierres pour fabriquer une faux en pierre. Attendez, j'ai pas compris là. Est-ce que... Il me manque de la pierre, c'est ça? Ouais, c'est ça, il me manque de la pierre, ok. Bah, du coup, je vais dessiner une petite zone. Attendez que les villageois collectent les pierres. Donc le jeu nous incite à passer en vitesse x2 ou x4. Ce que je vais faire. Faites un clic droit pour quitter le mode tâche. On clique sur l'artisanat. Et on peut voir la progression de la fabrication sur ce bouton. Cliquez sur le bouton pour retirer cet ordre. Attendez que les villageois aient cherché les composants nécessaires et fabriquer la faux. Souvenez-vous que vous pouvez accélérer la partie. Bah, comme je l'ai dit, le jeu nous incite justement à accélérer. Et en effet, on voit bien la progression qui est juste là. Est-ce que les... Ouais, c'est bien du coup quelqu'un qui s'en occupe. Donc je suppose qu'encore une fois, il faudrait faire en sorte que quelqu'un qui soit bon en technologie, en fabrication, ait la compétence au maximum, tout en haut de ses priorités. Comme ça, c'est lui qui gère. Donc on ferme le menu. On peut aussi désigner la nouvelle tâche, enfin une nouvelle tâche en cliquant directement sur la case concernée. La faux en pierre a débloqué la tâche fauchée. Cliquez sur les roseaux sur le rivage. D'accord, donc je peux faucher. Les roseaux sont une bonne source de paille. Dessinez un rectangle de sélection pour désigner une zone à faucher. Hop. Attendez que les villageois aient fini de faucher les roseaux pour avoir de la paille. On accélère. Et encore une fois, je suppose que du coup les ressources ne seront pas stockées directement dans une zone de stockage vu qu'on n'en a pas. On a une zone de stockage ici pour la nourriture, mais il me semble pas qu'on en ait fait une pour les ressources. Non, c'est bien ça. Ah, la zone... Ah ouais, d'accord, ok, la zone est littéralement gigantesque. Hein. C'est littéralement gigantesque. Et à voir également si on peut pas l'étendre. Je suppose qu'il y a des modes également sur le jeu. Je suis où, moi, d'ailleurs? Je me suis perdu. J'étais au bord de l'eau, c'est là, ok. Cliquez droit pour faire le menu. La paille récoltée a débloqué les murs de paille, les toits en paille et davantage d'outils. Récolter de nouvelles ressources et fabriquer de nouveaux objets débloquera encore plus de choses. Cliquez sur le bouton d'alerte à droite pour continuer. Et c'est ici que le tutoriel d'introduction s'achève et vous êtes presque prêt à prendre le contrôle de vos villageois. A partir de maintenant, des alertes apparaîtront à droite de l'écran. Très très bien, ça c'est un très bon fonctionnement, j'adore ça. C'est pas le genre de tutoriel où on te bourrine tout, on balance toutes les informations, tu te débrouilles, ça te... voilà. Non, c'est pas ça. On t'explique les bases et ensuite, les informations apparaissent au fur et à mesure de ton aventure. Cliquer sur les alertes affichera les solutions disponibles. Ah merde, faut cliquer ici. Les alertes peuvent être aussi rejetées avec un clic droit. Préparez-vous à l'hiver, vos villageois ont besoin de nourriture, de chaleur et d'un abri. Cliquez sur le bouton là pour terminer le tutoriel. Let's go, nous voici dans le jeu et en effet, on a toutes les alertes ici qui apparaissent. Ok, alors, on est à 18 minutes de vidéo. Alors, je suis désolé, je savais que c'était un jeu qui de base n'était pas accessible comme ça en 10 secondes. Fallait forcément suivre un tutoriel, c'est le genre de jeu qui se fait assez complexe quand même quand tu débutes. On est à 18 minutes de vidéo, j'espère qu'il y a encore du monde. J'espère que ça vous a pas trop refroidi. Mais en tout cas, c'est maintenant que ça commence réellement, le gameplay. Donc on va y aller. Il faut du coup résoudre l'ensemble de ces quêtes. Donc tout d'abord, il faut une zone de lavage. Alors zone de lavage, j'aurais un peu de mal avec l'interface. Vu que c'est que le début. Construction, donc c'était pas ici. Sélection, c'était pas là non plus. Tâches, non. Inventaire, non plus. Liste des tâches, non plus. Ça commence bien, je me souviens plus comment on faisait pour définir une zone. Humain, bétail. Non. Ah, j'ai des bétail. Ah, j'ai des poules. Ah, des coques et des poules. Mur, sol, démolir les toits. Ah, c'est ici. Ok, c'est dans meubles. Donc, zone de lavage. Alors, du coup, je vais en faire une deuxième juste à côté. Donc, c'est bon. Ça, c'est des idées pour avancer. Zone de boisson requise. Donc, vu qu'on y est, zone de boisson, on va en mettre une là. Et il manque des lits. Alors les lits, on va pouvoir les faire. Sauf que petit souci, moi les lits, je les fais pas comme ça dehors. Hors de question. Moi, il me faut une maison. Il me faut un abri. Donc c'est ce que je vais faire dès maintenant. Construction, mur. Et j'ai pas de mur.
Je pense que j'ai pas dû débloquer encore les ressources pour le faire. Ce qui n'est pas étonnant au final. Hein. Ce qui n'est pas étonnant. Et en termes de craft, bah, j'ai pas non plus. J'ai la batteuse ici, c'est quoi? Le battage des herbes coupées consiste à séparer la paille de la graine. D'accord. Interrompu par la pluie. Inflammabilité élevée. Très bien, on va faire attention quand même. Mais... D'accord. Ici, on peut faire les inventaires, du coup, pour les différentes ressources. On veut stocker des corps, stocker la nourriture qui pourrit, les vêtements, les outils, les composants et la nourriture. La liste des tâches, on avait capté. Et les idées, du coup, c'est quoi? Oh, très bien. Ça permet d'avoir une visibilité, du coup, sur comment avancer dans le jeu, comment progresser. Et on peut voir que je suis quand même très loin de débloquer les portes. Quoique, bah non. Il manque que la batteuse, en fait. Il va manquer que la batteuse, on peut voir, là. Que pour toutes les constructions, il me faut la batteuse. Donc c'est ce qu'on va faire. C'est ce qu'on va faire. Industrie. Non, c'était pas là. Batteuse dans la culture. Très bien. Hop. Et la batteuse, on va la poser. Bah là, ça devrait aller, je pense. Et pour la crafter. Est-ce qu'il y a un moyen de voir ce qui manque? Je pense que non, je pense qu'il faut retourner ici à chaque fois. Agriculture. Voilà, donc il me faut de la paille et il me faut des branches. Donc normalement, ça devrait le faire. Donc on va se mettre en accéléré. On va attendre pour les lits. Et, ah bah, très bien. Très bien, on voit ici du coup la notif qui me dit automatiquement qu'il me manque une branche pour pouvoir crafter. Donc collecter les branches. On va se mettre, ouais, ici ça devrait le faire. Et on va faire en x4. Et du coup, normalement, ils vont petit à petit venir la crafter. Et on va voir, mais normalement, à l'instant, je vais pouvoir du coup avoir la... La batteuse, ça va me débloquer tout simplement des nouveaux crafts. Voilà, donc ça c'est le coup. C'est le coup, non c'est le cas. Ok, donc la batteuse est donc déverrouillée et grâce à ça, je vais pouvoir, comme je disais, débloquer d'autres bâtiments. Alors lancer le tutoriel du battage. Les villageois utilisent la batteuse pour transformer les herbes fauchées en graines et en paille. Cliquez sur le menu tâches et cliquez sur faucher. Dessine un rectangle de sélection autour de deux cases de hautes herbes. Ok, donc là. Et clic droit pour fermer le menu. On reprend. Et normalement, il fauche du coup tranquillement l'herbe. Ensuite, les villageois doivent séparer la paille du grain. Et cliquer pour transformer les herbes fauchées en graines et en paille. Ok, bah écoutez. On y va. En graines, en paille. Donc on sélectionne ici du coup ce qu'on veut crafter. Dans certains cas, vous voudrez faire en sorte d'avoir une production constante de certaines ressources. La paille est très utile en artisanat. Cliquez sur le bouton ravitaillement auto. Ok. Et je peux du coup mettre une quantité cible. Une fois que j'atteins une certaine quantité, bah, j'arrête simplement la production. Si je vais faire pour la paille, j'en ai besoin. Et il est possible de booster la priorité de... Voilà, ça c'est ce qu'on a vu avant. Et d'accord. Donc en fait en boostant... Voilà, en boostant... Ah, on l'a pas vu ça. En fait, en boostant automatiquement, du coup, la priorité, c'est ce qui va être fait bah, en priorité, tout simplement, par-dessus tout ce qu'on aura demandé de faire comme autre tâche. Ok. Ensuite, les villageois doivent séparer la paille du grain. Cliquez sur la batteuse. Ah, j'ai déjà fait ça. Je me disais bien. J'ai déjà fait. Donc, on désactive le boost. En dehors des tutoriels, ce bouton est un raccourci pour rapidement sélectionner le modèle. Très bien. On permettra du coup de le copier, je pense. Ah non, ok, c'est pour avoir ici les infos. La compétence requise par la batteuse, il faut être bon en agriculture. Les villageois agriculteurs apporteront des herbes fauchées à la batteuse. La batteuse produit de la paille pour la construction et les graines pour l'agriculture. La paille est inflammable. Certains animaux mangent des graines. D'accord. Ok, très bien. J'ai débloqué du coup une nasse à anguilles. Et normalement, quand je vais dans meubles et que... Non, dans construction, dans mur... J'ai toujours pas les bâtiments. Très bizarre. Par contre, en idée, du coup, qu'est-ce que j'ai? Je pense qu'il y a un truc que je dois pas avoir. Donc là, j'ai une nasse à anguilles. Ça, c'est cool. Mais. Ah, je pense que je l'ai pas parce que j'ai pas la quantité de paille nécessaire. En fait, c'est juste ça. Ok, la recette se débloque vraiment quand j'ai la quantité, en fait, qui est nécessaire. Donc, il va falloir un maximum. Mais vraiment maximum de paille. Ah, bah, j'ai retiré la paille, du coup. Et. Je vais mettre plus que 100, je vais mettre à 200. Même plus en vrai. Hein. Je vais mettre plus que 200, je vais mettre à 1800. On sait que de toute façon on ne produira pas 1800, mais au moins, dans le doute, il le fera tant qu'il le pourra. Et on va continuer à faucher un maximum d'autres herbes ici. Voilà. Et je pense que ça pourrait être sympa également de tout simplement augmenter les priorités, faire en sorte que du coup ce soit des bonnes priorités. Typiquement il est très bon en construction et c'est pas sa prio max, donc on va faire ça.
On va monter toutes les priorités le plus haut possible. Ah non, j'ai monté tout en haut, là, c'est pas bon. J'en ai un qui... Alors, je pense que j'ai sans doute une interface qui permet de mieux voir. Celui-là, pour le coup, je vois pas grand chose. Les enfants d'un certain âge peuvent pas travailler, c'est tout à fait logique. Je me dis, c'est bizarre, pourquoi je ne vois pas de compétences, mais c'est tout à fait normal. Donc il est pas très bon en compétences, il est bon en collecte, donc on va lui mettre en collecte. Elle est bonne en artisanat, mais le souci c'est que j'ai déjà quelqu'un en artisanat, donc on va mettre en collecte également, je pense. Et en soins, c'est pas mal. Lui il est très bon en artisanat, donc on va lui laisser. Bah, il est bon partout en fait, enfin il est bon partout, c'est quand même 3 sur 10, hein. C'est pas exceptionnel. Mais ça fera l'affaire. Ici on va laisser comme ces deux bases, peut-être d'abord la chasse en premier. Et l'extraction en deuxième, et la réparation en troisième. Et pour terminer, on a un autre mec qui est bon en artisanat. On peut voir en fait que quand tu commences une partie et que t'as pas forcément de chance sur les personnages que t'as, ça peut ralentir ton début de partie. Là pour le coup, on est un peu embêté parce qu'on a souvent des mecs qui ont les mêmes compétences en fait. Ils sont bons aux mêmes compétences. Ce qui fait que du coup, ça complète pas vraiment ce qu'on a besoin en fait pour le groupe, quoi, tout simplement. Mais en tout cas, on continue de faire du foin. Faire de la paille. Et je pense qu'on va pouvoir également, dès que possible, les anguilles sont une source... J'ai pas eu le temps de lire. Sont une source fiable de nourriture si elles ne sont pas surpêchées. Des bugs d'autres choses. Requin un rivage. On va en faire une là. Ça peut être sympa. S'il y a moyen d'avoir des anguilles, pourquoi pas. Moi je dis pas non, on va faire un petit barbecue, ça va être cool. Par contre, moi le truc qu'il va me falloir, c'est faire une autre zone en fait. Une autre zone, dépôt de nourriture, dépôt de composants. Composants d'artisanat, je pense que c'est ça qu'il me fallait. Et du coup on va faire genre... Ah non pas ici, sinon ça risque de péter le buisson. La zone d'artisanat on va la faire bah, là où je pète tout simplement ici, hein. Ça peut être pas mal. On va faire genre comme ça, voilà. Il y a que 4 zones qui pourront pas être exploitées mais c'est pas grave. Et du coup bah, les transports de marchandises se font grâce justement à la capacité transport. Donc j'ai débloqué le feu de bois, ok. Donc on verra après. Bon, je pense qu'on fera plus le tuto parce qu'à la fin de la vidéo, on est déjà à 27 minutes de vidéo. Donc je pense que le plus intéressant, c'est de découvrir un peu par nous-mêmes. Je suppose que j'ai pas assez de zones pour dormir aussi. Je n'ai qu'une seule des zones de repos. Après, normalement, j'essaie d'avoir un lit d'ici peu de temps. Si on arrive du coup à avoir la paille nécessaire pour crafter les maisons. Construction mur, j'ai toujours pas. Quand je vais dans les idées, qu'est-ce qu'ils me disent? Le mur en paille, il me faut ouais, à peu près 50, 60 de paille encore pour l'avoir. Il fait nuit. Est-ce qu'il y a moyen de voir l'heure de la journée? Là, j'ai la température. J'ai pas l'heure de la journée, malheureusement. Bah, je pense que c'est ça, en fait, c'est le planning. Ah non! Les nasses à anguilles sont une source de nourriture fiable en dehors de l'hiver. Cliquez sur la nasse. Une autre méthode pour gérer la production de ressources est de planifier les tâches quotidiennes. Utilisez le ravitaillement auto ici pour entraîner une surpêche, ce qui viderait rapidement les petits lacs. Réglons une quantité quotidienne fixe de prise pour cette nasse. Cliquez sur le bouton anguille crue. Pour demander à un chasseur de préparer la nasse. Cliquez à nouveau sur anguille crue pour demander 2 lots d'anguilles. D'accord. Et ce bouton permettra de dire qu'il faut attendre le lendemain avant de continuer. D'accord, très bien. Putain, c'est incroyable. Ok, donc ce bouton indiquera en villageois de répéter la liste de fabrication. Donc ils attraperont les anguilles 2 fois. Et ils attendront du coup le lendemain avant de réattraper 2 fois les anguilles. Très bien, ok. Donc ça, c'est très bien fait. Du coup, ça permet de faire en sorte que le lac ne soit pas complètement vide au bout de 3 jours, quoi. Ok. Ce qui du coup est également intéressant parce que si j'attrape, je sais pas, 50 000 anguilles, bah forcément t'en as qui vont pourrir, je suppose. Donc du coup, c'est pour ça que c'est aucun intérêt de faire ça très rapidement. Ok. Donc je passe à 10 en priorité et charme le menu. Assurer. Augmenter la protection de la compétence chasse. D'accord. Donc lui, du coup, je l'avais monté en bûcheron, on va mettre au maximum. Donc désormais, cette nasse à anguilles répétera chaque jour l'ordre de produire 2 lots d'anguilles, donc 10 anguilles. De plus, cette nasse a une priorité élevée, donc les chasseurs s'en occuperont avant d'éventuelles autres tâches de chasse. Et pour pouvoir les consommer, il faut les manger, enfin, il faut les faire cuire en fait, tout simplement. Ok, 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 bah écoutez, est-ce qu'on a assez pour faire une maison là? Parce que c'est pas tout ça, mais il commence à faire nuit, je sais pas quand est-ce que l'hiver va arriver, j'espère que c'est pas pour bientôt, on est tous à poil en plus. c'est quoi cette tribune, on est tous à poil, on vient d'arriver. Donc le feu de bois, bah, je pense qu'on n'a pas besoin de voir le tutoriel pour le feu de bois, hein. Je pense que ça va pas être si compliqué que ça à utiliser. Émet de la lumière, de la chaleur et permet la cuisine rudimentaire. Et j'ai assez pour m'en faire un. Ah, c'est une zone, très bien. Je pense par contre qu'il faut que je la construise sur une zone où il n'y a pas d'air, quoi. Oh,
Je fais le feu de camp à côté de ma réserve. À tout moment, ça va prendre feu. Peut-être mauvaise idée ce que je fais là, mais bon. On verra bien. Et on va se mettre en x4. Et je pense quand même qu'en attendant, je vais quand même mettre des dépôts. Pas des dépôts, des zones pour dormir plutôt. Parce que j'ai peur que... Donc du coup, vu qu'il n'y a pas assez de zones, ils peuvent pas dormir. Et que du coup, le lendemain, ils soient tous KO. Donc on est combien? J'ai pas l'interface. Je peux pas savoir combien on est. Je pense qu'il faut les compter. Bon. Dans le doute, je vais en mettre peut-être une 5-6. Hein. Donc 2, 3, 4... 5 et 6. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bah, évidemment, le manque est une. Bon, tant pis, on va dire qu'ils vont alterner. Ils vont alterner comme ça. Ça coûte rien de faire une zone en plus. Mais le problème, c'est que ça fait de la place en moins, quoi. Ça fait de la place en moins. Et je pense quand même que ce que je vais faire, ça va être de redemander encore de faucher là-haut. Donc, on va faucher tout ce qu'il y a là. Voilà. Et on va se mettre en vitesse x3 pour voir ce qui se passe. Je pense qu'il y a moyen de voir l'heure quelque part, mais je sais pas où. Donc du coup, je ne sais pas trop. Et on peut voir que nuit ou pas, mes villageois, notamment Mergari, j'ai l'impression, n'a pas peur de travailler en pleine nuit, ça fait plaisir. Qui du coup, normalement, est le cas des enfants. Alors peut-être que du coup, ça va évoluer au fur et à mesure qu'ils vont grandir ou pas. Peut-être qu'ils auront moins peur du noir au fur et à mesure. Mais en tout cas, là, à l'heure actuelle, ils peuvent pas travailler la nuit, je pense. Donc du coup, c'est un truc à prendre en compte. Même les coqs se lavent, hein, ça fait plaisir. Et tout le monde part dormir. Ok. Et là, j'ai les heures supplémentaires. Sans aller voir le tutoriel, je suppose que c'est dû au fait que, comme on l'a vu au début, on peut leur dire, donc c'est là, le mode travail forcé, mode travail normal ou le mode temps libre. Et du coup, temps libre, ils font pas d'heures supplémentaires. Avec le mode travail forcé, ils font des heures supplémentaires. Et du coup, je suppose que bah, ça les dérange. Oh, l'overlay de température, très bien. L'overlay des engrais, ok. Donc l'eau, on l'a ici. Alors, bizarre que l'eau, par contre, soit restée en... Ouais. Alors, peut-être que c'est l'eau, mais des galeries souterraines, peut-être. Ou peut-être moins, en fait. Peut-être que plus tard, il y a l'électricité, je sais pas du tout. Taux de croissance, ok. Pas d'overlay. Et on peut activer les toits ou non. Des bâtiments, très bien. Très bien, très bien. Mais écoutez, je vois qu'on est déjà à 32 minutes de vidéo. Comme je l'ai dit, pour le festival des jeux de gestion, vu que je tourne plusieurs vidéos à la suite, j'évite de trop m'étaler et faire des longues vidéos, même si l'envie, bien évidemment, est présente. J'ai envie de découvrir davantage du jeu. Mais je pense qu'on va l'arrêter quand même à 35-40 minutes. Quand même, on va pas arrêter là maintenant, c'est que la première nuit. Mais en tout cas, comme d'habitude, hein, comme je le dis à chaque vidéo, si ce jeu vous plaît, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. En tout cas, il y aura toutes les infos sur celui-ci en description de la vidéo. Et puis, si vous souhaitez un SP sur le jeu, il n'y a aucun souci. Moi, c'est le genre de jeu que j'adore, donc il n'y a vraiment aucun problème. C'est avec grand plaisir que je pourrais vous proposer un Let's Play sur celui-ci. Ok. Bon, heure supplémentaire, on va skip. Là, il me faut de la pierre pour faire le feu de bois. Intéressant, parce que moi, depuis tout à l'heure, je parle, mais j'ai pas demandé de ramasser la pierre. Donc, collecter la pierre. Ah, il fait nuit, on voit pas grand chose. Je vais mettre en x4, je vais retirer vitesse x4. Et là où j'ai des ressources aussi, là-haut. On regarde jamais depuis tout à l'heure. Enfin, je regarde pas depuis tout à l'heure, mais j'ai tout qui est indiqué là-haut. Ici, on a un peu de pierre. Ici, on en a également un peu. Et bah, ici aussi. Ça devrait aller, je pense. Ça devrait être sympa. Et c'est le début de la journée. Jour 2. Voilà, let's go. Jour 2. Et il me semble que la démo prend fin au jour 10 d'ailleurs. J'ai cru voir ça tout à l'heure en lançant la partie. Donc ça fait une démo quand même tout à fait correcte. On a de quoi faire, donc ça fait plaisir. Donc il se lave dans un premier temps. Il y en a un qui pense à chasser. Oui, c'est le chasseur. Il est parti du coup installer la nasse pour chasser l'anguille. Hop. Donc là, il est parti faucher. Et je suppose que... Donc c'est Mergari qui est parti faucher. Je suppose qu'elle va les stocker dès qu'elle le passe. Se lave d'abord. Elle commence à faucher, après elle se lave. Très bien. Ok. Les bloqueurs, ok. Oh, l'éclairage est vraiment stylé. Bloqueur de dépôt. Ah, je pense qu'un jour je peux bloquer les dépôts, genre faire en sorte que... Enfin, j'invente en fait. Depuis tout à l'heure, j'essaie de deviner en fait le tutoriel sans cliquer dessus. Mais comme j'ai dit, vu qu'on a fait beaucoup de tutos depuis le début, j'ai pas envie de terminer la vidéo avec un tuto, quoi. J'ai envie quand même qu'on découvre un petit peu notre côté. Même si, bien évidemment, bah, c'est important hein, de faire les tutos selon le genre de jeu. Mais pour le moment, ça devrait le faire, du moins pour la fin de cette vidéo. Il manque des lits, on peut voir qu'en effet, bah en fait, j'avais pas besoin de crafter de lits. Hein. Il manquait simplement, enfin, il suffisait en fait tout simplement de moi-même de définir des zones. Oula, il s'est fait caca dessus, oui. Attendez. Je pense qu'en mettant la zone d'engrais. Non, je vois pas. Attendez, pourquoi. Ah, bah, il n'y a plus. Très bien. Ça a disparu, ok. Peut-être qu'il fallait cliquer dessus ou je sais pas quoi. Ok. Et
Combien j'ai de foin du coup? J'en ai 159 à la paille, j'en ai 152. Et je pense qu'à mon avis, ouais, il n'y a plus personne qui s'en occupe ici. Donc je pense qu'il faudrait mettre une priorité. Faudrait mettre une priorité absolue. Donc, il y a forcément quelqu'un qui en crée, vu que c'est ce qu'on a besoin pour le début. Et il faudrait également, je pense, en tâche, redemander de pocher. On se met en vitesse. Et si ça marche pas, c'est qu'en fait on a plus de place dans le stockage. Et vu qu'on a plus de place, bah il faudrait en refaire d'autres pour que les gens puissent stocker la nourriture. Donc, pas la nourriture, les ressources du moins. Est-ce que c'est le cas? Est-ce qu'il y a une personne qui va quand même se diriger pour aller faire la... Non, j'ai pas l'impression. Ah ça y est. Bah, il l'a fait rapidement, il l'a pas fait. Voilà, du coup j'ai le toit en paille. Très bien. Donc je commence à débloquer mes bâtiments, mes bâtiments de construction. J'ai un mur en paille, super, supporte les toits. Environnement, moins 5 en intérieur, moins 5 en extérieur. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer à le crafter, ben, je pense, là, ça peut être sympa. On va faire un petit carré tout moche, qui est même pas vraiment un carré au final, tant pis. Voilà. Donc, ils vont devoir raser la zone, couper les arbres, et est-ce que j'ai une porte? J'ai pas la porte. Bah, ben, c'est la porte, c'est 400, on l'a vu tout à l'heure dans les idées, je suis bête. Bah si, j'ai la porte. Ah bah si, j'avais la porte, très bien. Pas envie de garder la chaleur dedans et les animaux dehors. Bah écoutez, on place la porte juste là. Et on est bon, par contre, il manque juste un peu de branches. Donc du coup, on va dans tâche, on va dans collecter les branches. Bon, on va se mettre sur une petite zone d'arbres. Ah, je pense que je peux pas, parce que j'ai déjà ramassé justement les branches de ces arbres-là. Collecter les pierres, on se met ici parce qu'il va en falloir. Et j'ai débloqué d'autres bâtiments au fur et à mesure. En tout cas, j'aime bien la progression qu'on a. C'est que encore une fois, bon, c'est un tuto qui t'explique au fur et à mesure comment faire. Il donne pas toutes les infos, il te balance pas comme ça. Et surtout que tu débloques en fait les recettes de craft au fur et à mesure. Ça, c'est vraiment cool. Parce que je me suis rendu compte que quand tu joues à un jeu où toutes tes recettes sont directement débloquées dès le début, tu peux directement tout crafter dès le début. Bah, la progression est moins satisfaisante parce que tu sais à l'avance tout ce que tu peux faire. Même si tu peux pas concrètement le faire parce que t'as pas les ressources, bah tu t'es un peu spoil en fait et tu dis ok bon bah j'avance, puis une fois que t'as les recettes, t'as plus envie de débloquer la suite quoi. Alors que là on a aucune idée, vu que c'est masqué dans les idées, on a aucune idée de ce qu'on peut réellement crafter. On sait qu'on a beaucoup de trucs à crafter, mais on a aucune idée concrètement de ce à quoi ça correspond. Donc c'est pour ça que j'aime bien la manière dont justement est organisée la progression dans le jeu. Voilà, voilà. Bon, en tout cas, les amis, on aura testé quand même, on aura bien testé cette démo. Bon, j'ai testé qu'en 37 minutes de vidéo quand même, hein, forcément. Après, il y a plus de temps de jeu. On peut faire plus de temps de jeu sur cette démo. Donc, on lui dit c'est 10 jours dans le jeu. En tout cas, c'est disponible sur Steam. Vous pouvez la télécharger sans problème. Je mettrai tous les liens directement en description de la vidéo. Encore une fois, si ça vous a plu, si le jeu vous plaît, bah, je peux vous faire un spec avec un grand, grand plaisir dessus. Pas de soucis là-dessus. Et moi, les amis, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser votre meilleur pouce bleu, à commenter la vidéo et à la partager à tous vos amis. Ça me ferait super plaisir et ça m'aiderait énormément. Et moi, sur ce, les amis, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée. Je vais faire un peu de flûte, vu que je viens de déverrouiller justement la recette de craft. Et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. À très bientôt, les amis.